Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Occupy Mars. Alors attendez, je bois un petit peu, c'est le matin, je viens de me réveiller. Attendez, j'ai un petit peu faim, mais on ira voir ça juste après. Donc aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur nos cultures, sur nos réserves de nourriture. Et si tout est prêt, bah, nous partirons explorer le monde. Bon, surtout ramener du silicium, utiliser un peu la disqueuse... Enfin, le quotidien, quoi. Le quotidien sur Mars. Alors, attendez. Ah oui, la porte est là. Hop, je peux me souvenir de... Oh, attendez. On en est où, là? Oh! C'est très, très bien, tout ça. Bon, là, ça pousse doucement. Ici, on en est à 68%, donc ce sera prêt, je pense, d'ici demain. Là, je sais plus ce que j'ai. Attendez, j'en ai peut-être dans le deuxième. Non, je sais plus. J'avais pas mis des patates? Je sais plus. Pas là. Ah! Et là, on en est à 38%. Bon, bah écoutez, ça pousse. Pour l'instant, rien à déclarer. Alors, je vais aller voir immédiatement ce qui me reste en nourriture, parce que bah, si j'ai pas de ration, ça va être compliqué quand même de partir à l'aventure. Alors, est-ce que je peux... Voilà, alors on m'avait dit que je pouvais stacker les... Alors attendez, est-ce que je peux... Sachant que c'est pas les mêmes, mais est-ce que ça change quelque chose ou pas? Je sais pas. Hop. Les chargeurs de semences, et c'est vrai que j'en avais qui étaient cumulés, mais c'est un peu comme la nourriture, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit écart dans, dans le descriptif, mais on peut pas les stacks. C'est peut-être pour ça que je pensais qu'on pouvait pas du tout en fait les stacks, mais visiblement ça pose pas de soucis, donc je vais le faire parce que ça m'arrange quand même beaucoup. Voilà, j'ai une bouteille d'oxygène à remplir impérativement. Et je vais aller voir là-bas parce qu'il me semble que c'est dans le frigo que je dois avoir un petit peu de nourriture. Au moins, j'aimerais bien tenir un peu plus de la journée quand même, ce serait bien. Attendez, les frigos. Le frigo est là. Il n'y a pas grand-chose à manger quand même là-dedans. C'est un peu triste. Attendez, donc je suis à ça de mourir de faim, c'est ça? Ah ouais. C'est original, je m'y attendais pas. Alors attendez, déjà, je vais remplir ma bouteille d'oxygène. On va faire ça. Parce que sinon, évidemment, on a une autre opportunité. Ce serait de... Bah, de partir au loin et puis de trouver des rations... Enfin, de croiser les doigts pour trouver des rations. Mais bon, jusqu'à présent, on peut dire que j'ai eu un petit peu de chance et que j'ai trouvé quand même des rations à chaque fois que j'en ai eu besoin. Donc, est-ce que je ne tenterai pas ça? Parce que là, bon, il y a plein de choses qui sont presque prêtes, mais du presque prêt, ça se mange pas. Donc, pour l'instant... Ah, je m'attendais pas du tout à plus avoir de nourriture, c'est bizarre. Bon, bah écoutez ce qu'on va faire. Je crois qu'on nous invite cordialement à aller voir du pays. Donc, on va faire ça. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Attendez, je sais plus. Il me semble que je voulais craft des kits de réparation, mais ici, est-ce que j'ai encore des trucs? Oui, ici, j'ai pas mal de trucs. Alors, est-ce que j'ai de quoi? Mais j'ai plus de silicium, c'est ça, et il me faut du silicium. Et j'ai un kit de réparation dans le rover. Bon, écoutez, si déjà j'arrive à user un des outils, bon, ça veut dire que j'aurais bien bossé. Donc, bon, bah, on va prendre le rover et on va tenter l'expérience de partir loin, et puis... Puis voilà. J'aimerais bien partir, ça dépend si je trouve des rations ou pas d'ailleurs, mais partir peut-être, bon, pas plus de 3 jours quand même. Parce que sinon là c'est pareil pour les cultures, ça va être compliqué. Alors, mon... Oh là là, qu'il est beau. Alors, hop, je débranche, je remets le câble par là. Je vais ouvrir le hangar et on va prendre la route. Je vérifie que j'ai pas de nourriture ici. Donc mon kit de réparation. Ok, c'est vrai qu'il me restait des chargeurs de semences. Bon, voilà. Bon, bah écoutez. Alors, où est-ce qu'on va?
Attendez, où est-ce que... j'avais pas des trucs à aller voir là-bas. Alors, on va peut-être... J'ai quelque chose à 3500 mètres par là-bas, je sais plus ce que c'est. Mais j'y suis déjà allée par là-bas. Oh, j'ai envie d'aller par là-bas en fait. Donc là, on serait à l'est. À l'est. Ah oui, alors par contre, ça aurait été bien que je passe par là. Je vais mettre ça comme point de repère d'abord. Parce que la route est quand même bien meilleure par ici. Voilà, on va le mettre en rouge. On va faire ça. Et après, on dévira. Hop là. Allez, c'est parti. C'est parti. À part la nourriture, on est bien. Mais je pense qu'il y a des ruines aussi qui sont à explorer. De toute façon, on était loin d'avoir fait le tour, évidemment. Hop. Là, on se dirige, grosso modo, on va prendre la direction de l'endroit où j'ai eu ma première et seule mort pour l'instant. Où on avait eu la pluie de météorites. Alors, je sais pas si... Non, je vais pas aller... Je suis tentée quand même d'aller tout droit, en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis allée beaucoup plus... Beaucoup plus au sud-ouest en fait. Sud. Au sud. Mais je suis pas tellement allée par là-bas. Est-ce que je tente... l'itinéraire est tout tracé comme ça. Ah, il y a un peu de... Il y a un peu de lag sur le chargement de, je pense, de la zone. Est-ce que je ferais pas ça? Allez, si, j'ai envie de faire ça. Écoutez... Parce que là, après, on pourra continuer encore un peu plus au sud-est. Parce que finalement, j'ai pas tellement exploré vers le fond, là, en m'éloignant davantage. Donc bon, écoutez, de toute façon, il faut faire un choix. Il faut que je m'éloigne en espérant, avant toute chose, trouver des rations. Parce que sinon, bah, ça va limiter mon expérience de jeu. Ça va limiter l'excursion. Mais bon, ayons confiance. alors là, je crois que je vois une base. Celle-ci, pour le coup, je pense que j'y étais allée. Je pense même que c'était celle... C'était pas par là-bas qu'on était allé voir pour la chute de... Enfin, je sais plus. Je sais plus. Je pense que c'était par là-bas. Est-ce que c'était pas un peu plus à l'est? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je trace. Parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Si c'est pas le bon truc, ouais, c'est pas, ce serait pas intéressant. Je regarde un petit peu quand même au passage, en passant pas trop loin. Si elle me paraît déjà un peu. Ah, mais non, 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 mais c'est sûr, je suis pas allée là. Je m'en souviendrai de cette. De cette zone avec tous ces rochers. Parce que pour le coup, si j'y suis pas allée, ça vaut peut-être le coup d'aller voir s'il n'y a pas un truc, une petite ration à se mettre sous la dent. Je vais faire ça. Allez. Et voilà. Allons visiter. Oh bah, y a pas. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas plein, quoi. Attendez, mais il y a pas un conteneur. Ah, si, il y a des conteneurs, ça c'est très très bien. Ça c'est très bien.
Bon, s'il y a rien, c'est qu'en fait j'y étais passée et que je m'en souvenais pas. Ouais, non, non, mais ça c'est sûr. Par contre, ouais, non, 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 il n'y a rien. Allez, bah écoutez, on repart en vitesse. Et on va aller explorer plus loin. Hein. Allez hop, en avant. J'aurais pu regarder. Ce qui est un peu dommage, c'est que quand on est dans un véhicule, on peut pas regarder la carte en même temps. Pourtant, quand c'est tout droit comme ça, je pense qu'on pourrait. On pourrait un peu regarder une carte, on se mettrait pas en danger, quoi. Regardez tous ces gros rochers là. Allez, une petite pente, on prend la vitesse, c'est bien. Wouhou! On se fait des sensations là. Bon, on a augmenté de quoi? De 8 km/h? Bon. Je suis pas sûre que ce soit si grisant que ça en fait, mais. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors attendez, est-ce que je vois des bases? Là, je vois rien du tout. Bon, de toute façon, je vais direction la cible. Et là-bas, on verra un petit peu ce qu'il y a. Sur la map, je regardais si j'en vois pas qui apparaissent devant mon nez. Ah si! Si, si, bah, il y en a une tout droit. Déjà. Et je pense qu'elle est avant la... Avant la cible, je pense. Qui est à droite, là, un petit peu. Derrière les rochers. Ah, il y en a une à gauche aussi. Oh là là, très bien. Bah écoutez, on a de quoi s'occuper, c'est très bien. Oh, mais il y en a une aussi en face là. Oh, très très bien. Magnifique. Magnifique, les affaires reprennent. Vite. Oh, il y en a une là-bas aussi. Oh, mais c'est incroyable, ça y est, c'est parti. C'est parti. Allez, allons visiter tout ça. Sachant qu'il va faire nuit dans 4 heures environ, même si c'est pas bien grave, mais on va détruire ça. Je récupère des... Ouais, mine de rien, j'aurais besoin de ressources. Alors, j'aurais besoin du silicium, hein, au-delà des plaques d'aluminium et tout ça, mais bon. Hop, je vais détruire celui-là aussi. Mais ça me fait monter les points aussi. De toute façon, c'est toujours très, très valable. Donc, il faut pas que j'hésite à continuer, mine de rien. Hop. Alors, on va à l'intérieur. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, je remercie aussi une personne qui me disait, qui pensait que je ne le faisais pas parce que je voulais faire de manière plus réaliste, mais on a une touche W en fait, si on n'a pas changé les réglages, qui nous permet de voir en fait en surbrillance ce qui est en fait ce qui est manipulable ou récupérable. Et ça permet notamment de voir quand on a des armoires, de voir ce qu'il y a au travers. Ça évite d'ouvrir chaque porte. Et bah mine de rien, c'est quand même vachement bien. Là, par exemple, bah, bon, y en a rien, je le fais quand même alors que ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. C'est trop tard, je vais pas défaire mon action. Hein. Alors. Là, est-ce qu'on voit y a un circuit? Il y a un petit moteur, c'est ça? Ah non, c'est une petite. D'accord. Pas du tout. Ok. Et on n'a rien de mieux? Ah, encore un circuit. Ah, un circuit standard, ça c'est très très bien. C'est
très très bien parce qu'on en manque. Lui, il ira dans le pick-up. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? C'est grand quand même, on pourrait avoir plein... Non, attendez, je viens d'ici, non. Bon, ça, je m'en fiche. J'ai pas commencé à ramasser juste un caillou, hein, ça va. Je pensais que c'était une ration. Alors que non, c'était un vulgaire oreiller. Quelle déception. Mais quelle déception. Bon, c'était pas rempli à ras-bord de rations, hein, on peut le dire. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un truc... Il n'y a rien dehors. Je vois rien par terre. Bon, bah on va filer directement à... Attendez, à moins que je passe un petit coup quand même, au moins que je récupère des... sur un bâtiment quand même. Il faut rentabiliser quand même tous ces déplacements. Voilà, je vais faire ça aussi. Et ça. Ah ben voilà, un nouveau point de technologie, c'est parfait, c'est ce que je voulais. On avance. Ok, bon, j'arrête là. Ça me paraît pas mal déjà. Et donc, je vais aller voir celui qui est là-bas. En espérant avoir un petit peu plus de chance. Et je vais vous dire, de toute façon, si je trouve rien là-bas, il faudra quand même que je fasse tout ce que je peux trouver, en fait, parce qu'il me faut absolument de la nourriture, là. Je n'ai pas le choix, il faut que j'en trouve. Et je pense quand même, ça fait un petit moment que je le disais, mais là vraiment on va arriver au stade où on a quand même le maïs, on a quand même pas mal de choses, on a quand même 4 cultures différentes là qui sont en train d'arriver. Bon, je pense qu'on va être vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus confortable rapidement. Mais il faut tenir. Alors, allons voir ce qu'on a comme surprise ici. Je vous avoue que c'était un petit peu décevant, les premiers qu'on a visités. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah non, ça c'est une plaque d'acier. C'était quoi ça? C'est un circuit peut-être? Ah, c'est une plaque d'acier aussi. Y a rien. Y a rien. Bon, allez, je sors de ce côté-là. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Je vais aller voir vite fait dans les containers qui sont là. Oh, c'est vide. C'est bizarre que ce soit vide comme ça. Pourtant, je suis pas venue ici. Hein. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Alors, il y a du câble. Bon, c'est pas ce que j'attendais en priorité, mais écoutez, bon, je le prends. Hein. Bon, mais écoutez, on va peut-être mourir de faim, en fait. Hein. Donc là, je vais pas sortir la disqueuse. Je repasserai si j'ai pu trouver de la nourriture qui me permet de tenir.
Est-ce que je vais réussir à ouvrir la porte? C'est pas sûr, hein. Peut-être que je vais rester coincée ici en fin de compte. Alors. Et de deux, hop, c'était pas terrible. Ah, mais attendez! Oh, mais si, j'avais visité tout ça. C'est pour ça que je trouve rien. Bon, je vais partir. On va partir par là-bas. Oh, je me souvenais même pas avoir visité tout ça. On va partir au loin, tant pis, on va tester. Alors je m'en suis rendu compte là parce que ce que j'aurais pu faire avant, bien sûr, plutôt que de perdre du temps là-dessus, c'est parce que j'avais des... On le voit quand on a visité, il y a une couleur en fait sur les... ça fait normalement, ça, on le voit les bases, ça fait un petit point, des points un peu grisés. Et quand on les a visités, ça se colore. Donc là, il n'y a pas de doute, je les avais fait avant. Et comme je voyais que ceux qui étaient autour étaient tous colorés, bah, en fait, voilà, ça veut simplement dire que j'étais déjà passée. Ah, je suis pas allée voir la météorite. Quel imbécile. C'est pas grave, on la fera au retour. Là, pour le coup, on a d'autres priorités. Allez. Je regarde ma jauge là de faim. C'est pas terrible, terrible. Alors, est-ce que je vois... Là, je vois rien du tout, hein. Ah si, attendez, 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 attendez. Je regarde sur la carte, du coup, on va voir. Là, à droite, on a quoi? Attendez. Je referme. Nous, on est là, hein, c'est ça? On est là et il y a quoi ici? A priori, ça, c'est pas visité. J'y vais. Je tente ma chance. Attendez. Non, 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 je pense que c'est juste une... Non, c'est juste la différence de hauteur. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose là en face, mais non, c'est juste le pied, en fait, de... De la grotte. Et après, il y a une autre base pas loin, donc on pourra peut-être y aller. À voir. Oh, il y en a une là, voilà. Pas bien loin. Oh, il y a plein de petites, de petits modules ici. Alors, par où on peut rentrer? Oh, attendez. Ok. Oui, je suis ravie d'en avoir trouvé. Oui, alors attendez, hop, ça, c'est tout ce qu'il y a. Oh, une tablette. Bon, écoutez, très bien. Dommage que ça se mange pas. Ça, c'est quoi? Bah décidément. On va pas manquer de pommes, je vous le dis. Et ça, c'est quoi? Du maïs, ok. On va pas en manquer non plus. Oh! Le Graal!
Je te mange tout de suite. Alors attendez, d'ailleurs, on va utiliser ça. Ça, c'est quoi? Ouais, d'accord. Et donc, la ration, je la vois même plus tellement. Tellement je suis plus habituée. Attendez, je l'ai pas. Ah, si, c'est bon, là, voilà. Ah, ça va déjà beaucoup mieux, c'est bon. Et bouteille d'eau. Ah, j'ai pas rempli les. Oh, il m'en reste. J'en ai deux vides. Non, pas... Si je peux crafter un puits, je verrai ça. Ça pourrait être assez intéressant. Alors, est-ce qu'on a autre chose à récupérer? Attendez. Hop, 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 hop. Oui, ça y est, c'est une victoire. Oh là là. Quelque chose à voir là-dedans, non, y a rien. Alors attendez, je vais mettre un petit peu au milieu. Est-ce que là on avait tout vu ou pas? Et je pense qu'on a tout vu. On a tout vu, mais on est très bien. Alors, voyons, est-ce qu'il y a... Je fais le tour pour aller jusqu'au rover. Tout hasard, il n'y a pas une ration qui traîne par terre, non? Bon, au moins, on va pas mourir de faim cette nuit. Et alors, attendez, je vais manger ma ration. Voilà, comme ça, là, on tient, on est bien. Et ce qu'on va faire, c'est que demain matin, je vais voir si je peux craft un puits dans les environs. Et comme ça, je remplirai comme les bouteilles d'eau au cas où. Alors là, j'aimerais bien... projecteur eau, voilà. J'aurais dû mettre un point sur la carte parce que là... Ah, c'est là. Je crois que je vois la base. Il est quelle heure? Il est 23h18, sachant que le temps passe très très vite la nuit. Je vais quand même aller y faire un petit tour rapidement. Ouais, ça m'a l'air assez vite vu quand même, vu qu'il n'y a que de l'extérieur. Allez, hop, j'y vais rapidement. Et après, dodo. Ah, attendez, avant dodo et avant de partir, est-ce qu'on pourrait pas vider quelques trucs? Ah non, c'est pas la même chose, ça, ok, ça, oui. On va enlever les circuits qui me prennent de la place. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et au passage, je regarde, est-ce qu'on a... Ah oui, 700 mètres pour avoir un puits. Ah ouais, ça fait loin. Regardez cet éclairage que nous offre le rover, c'est pas magnifique ça. Oh! Oh! C'est magnifique! Alors attendez, et ici est-ce qu'on voyait? On a des tuyaux. Oh, il y a plein de. Ok, bon, je ramasse, hein. Je ramasse, je fais ça. Je vais me coucher à pas d'heure. Hop, et hop. Bon, écoutez, on a bien fait de venir. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un autre circuit imprimé standard, je prends. Hop, est-ce qu'il y a autre chose par ici? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et, oh, pardon? Pardon, on s'était mal compris. Qu'avons-nous ici? Ah! Attendez, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, on va virer ça pour l'instant. Voilà, on va prendre ça. Hop, on va utiliser la tablette tout de suite. Combinaison V2, d'accord. Bon, très bien, on avance. Et où sont passés... où sont passés... Ah là, très bien. Ok. Bah, c'est pas mal du tout en fait.
Je pense que c'est très satisfaisant en fin de compte. Alors attendez, mon rover est là-bas. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir passer la nuit. Et ça signifie que demain, je vais pouvoir aller m'occuper de... J'ai encore une ration, donc j'irai mettre un puits. Et attendez, il faut juste que je trouve... Je coupe la lumière parce qu'on gaspille de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je vais peut-être aller visiter ça. Je vais aller visiter ça et... Je l'ai tracé ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, en fait, demain, j'irai visiter là-bas. J'irai voir si je récupère d'autres trucs. J'utilise la disqueuse. Et là, je rentre après. Je pense que ce serait beaucoup plus opportun. Je rentre, je m'arrête. Ce qu'on était parti voir, c'était... Je sais plus, c'était une météorite ou je sais plus du tout. Et ensuite... Ah oui, et entre-temps, plutôt, si je trouve une zone pour poser un puits, ce serait peut-être bien d'y penser. Parce que là... Bah, là, en fait, il me reste une bouteille d'eau que je vais utiliser maintenant pour pouvoir dormir tranquillement. Et après, bah, il ne me restera pas grand-chose. Donc il faut que je m'en occupe demain. Voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On a fait notre petite excursion qui était prévue. Donc, voilà, qui s'est plutôt bien finie. Même si c'était un petit peu juste, hein, côté nourriture. Bon, je vais dormir un petit peu parce que sinon, mon personnage va se plaindre. Et bah, on continuera l'excursion demain. Donc voilà, ça nous fait découvrir de nouveaux endroits. On a découvert, mine de rien, 2 tablettes, c'est pas si mal. Et les rations, donc maintenant, on peut tenir jusqu'à ce que les récoltes soient prêtes. Donc finalement, tout va très bien. Regardez comme c'est beau, ce lever du soleil. Donc bah, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao !